mes amours. Aujourd'hui comme d'hab je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et là j'ai la voix cassée, mon maquillage n'est pas fini, j'ai juste fait mes sourcils. Il est 8h du matin, je suis réveillée depuis 7h, je suis éclatée. Va savoir pourquoi je me suis couchée à 5h, 4h. Faut dormir. Là j'ai une tête carrément... Faut pas filer ma tête. Et là vous allez me suivre pendant plusieurs jours puisque je suis invitée pour faire un clip. Et moi faut savoir que depuis que je suis toute petite, c'est mon rêve de faire un clip. Mais quand je vous dis mon rêve, je me disais tu veux faire quoi dans la vie Maya? Je te disais je veux être dans les clips, c'était trop mon rêve. Et je me rappelle que j'étais toute petite, hein, mais vraiment toute petite, j'avais genre 5-6 ans. C'était vraiment mon rêve quand je voyais les clips de Lil Wayne, Usher. Je me disais ouais moi je vais marier avec un chanteur américain, je ferai des clips et tout, genre c'était mon rêve. Bon après en grandissant j'avais d'autres rêves, mais c'est vraiment ça mon rêve. Et je me rappelle j'avais des gens de ma famille qui me disaient mais t'es trop moche pour faire des clips et tout nanana. Donc bref, aujourd'hui on va réaliser l'un de mes rêves d'enfant. Et ouais je vous jure que je suis trop contente. Donc là on va rester sur Paris pendant plusieurs jours. Aujourd'hui on a des répètes, demain on a des répètes. Du coup je vais prendre la route pour aller au train, même si c'est pas si loin que ça. J'espère que vous allez kiffer la vidéo comme d'hab. Et moi je kiffe les vlogs, vous prendre avec moi et tout. N'oublie pas de liker la vidéo pour me soutenir. Dis-moi dans les commentaires toi c'est quoi ton rêve quand t'étais enfant. Parce que moi quand je vous dis quand j'étais enfant faire un clip, je pouvais mourir pour faire un clip, c'était vraiment ça. Dites-moi vous c'était quoi dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez la petite cloche pour ne rien louper. Et c'est parti pour la vidéo. A few moments later. Donc là je viens d'arriver à l'hôtel. J'ai pas encore ma chambre, du coup ils ont été trop cool. Ils m'ont laissé une sorte de bureau. Attendez je vous montre. Ils m'ont laissé une sorte de bureau comme ça, avec une salle de bain. Comme ça je vais pouvoir me maquiller parce que là c'est catastrophique. Je vous la tenue au fait. Vraiment je me suis habillée super simplement parce qu'aujourd'hui on fait des répètes. J'ai mis mes Air Force, mon jean troué et mon sweat Burna Boy. Je sais pas si vous avez ça mais moi j'ai des vêtements, genre c'est des vêtements réconfortants, genre je les mets quand j'ai besoin de réconfort. Ou tu sais quand je vais à un voyage et genre je suis stressée et tout, je vais mettre un sou, c'est de suite, un de ces deux suites. Et genre ça va me réconforter, je sais pas si vous êtes comme moi mais je vous jure c'est grave. Là j'en arrivais, je suis en retard de 20 minutes carrément, j'ai peur de rentrer. Et j'ai vu qu'il y avait des gens et tout. Regardez juste les bombas que je retrouve là. Hey. Je suis in love, carrément je parle la même chose, moi ça m'irait pas, regardez la beauté là. Insère l'emoji elle. J'adore ma passion aussi, on va tellement. Ouah ma belle. Classique. Regardez juste son sac, il est incroyable, je vais te le voler, désolé. Regarde comment elle bombe, elle me vénère cette meuf. Mais en fait elle me bat. On a passé l'après-midi à s'entraîner, voilà, un petit peu dans toutes les pièces. Et franchement, on veut être honnête, on a surtout beaucoup, beaucoup rigolé. Ça suffit. Là, on vient de sortir des répétitions avec ma gossure. Elle va faire un test en physique et c'est son premier test PCR. Alors, j'ai trop peur les gars. Dites-moi en commentaire si vous en avez déjà fait un. Moi, je vous jure, j'en ai fait un. Ça m'a fait trop mal carrément. Je suis rentrée chez moi l'après-midi. Genre j'avais mal au cerveau, tu sais le dire ou pas? Mais t'es malade, tu me fais peur avant. Mais non mais on attend actuellement le Uber mais il me cala même pas. Bon, c'est quoi la musique? Eh je vous jure là je suis KO, je suis trop contente de rentrer dans l'hôtel. Je suis arrivée dans ma chambre et elle est trop belle. J'avais pas vu la chambre, elle est magnifique. Attends, je vous montre. Imaginons là t'arrives, t'as l'entrée. Hop, micro-ondes, frigo, tout ça. Là, un miroir bien BG pour pouvoir faire des photos. Encore un miroir plus BG pour faire des photos. Une petite télé, bon elle est un peu loin du lit et moi je suis myope et j'ai oublié mes lunettes donc je vais rien voir. Un grand lit, la salle de bain. Ça date, j'ai pas pris une douche dans une mémoire. Et voilà, je vous jure, je suis fatiguée, je suis KO. Et depuis tout à l'heure, je suis en FaceTime avec Moumou. Moumou, monte ta tête. Monte ta tête. Moumou est à la maison, il est en train de garder Mio. Et je suis en train de chercher un bon Uber Eats. Je vous jure à Paris, moi j'aime trop aller à Paris juste pour les Uber Eats. Parce qu'à Paris tu vas sur Uber Eats, t'as de tout, t'as de l'indien, du asiatique, McDo, t'as de tout. Je kiffe, du coup depuis tout à l'heure je suis en train de réfléchir. Mourad il veut que je prenne Point B. J'ai jamais goûté Point B apparemment, c'est genre un McDo halal, un truc comme ça. Ouais. Mais voilà. T'es un chanteur toi? Ouais. A few moments later. De retour. Et du coup j'ai commandé asiatique. J'avais trop envie de manger asiatique. J'avais pas envie de manger des hamburgers et tout. J'ai pris des sushis. Ça c'est une sorte de soupe au ravioli. Je sais pas si vous voyez c'est quoi. Je vous montrerai de toute façon. J'ai commandé ça mais j'avais oublié que j'avais commandé ça. Et des sausages. Ça sent trop bon. Ça fait depuis cet été que j'en ai pas mangé. Des jours je kiffe trop. Là j'ai fini de manger. Du coup je regarde des vidéos sur mon téléphone. En même temps je suis sur mon ordinateur. Je fais un peu de montage, un peu de tout et je vous jure je suis fatiguée. Et carrément mes sourcils là, je suis obligée de les arracher, j'en peux plus.
Il est 23h passé cette nuit, j'ai dormi que 3h, je suis au bout de ma vie. Je vais dormir et on se retrouve demain pour le dernier jour des répétitions avant le clip. Regardez, j'ai même eu le droit à un déjeuner, je suis trop contente. Bon, il n'y a pas de Nutella, mais bon, on s'en fout. Au moins, j'ai un pain au chocolat, tout ça, je suis trop contente. J'ai fini de me préparer, alors calculez pas ma chambre, c'est vraiment le bazar, je nettoierai après. Et voilà, je suis partie, je suis un petit peu en retard, donc on y go. La meuf demain, elle fait son premier gros clip, Oui, oui, oui. Elle est pas stressée, alors que moi je suis stressée. Non mais je suis pas stressée, mais je suis stressée intérieurement. Intérieurement, t'as intérieurement. Je suis un petit peu. Tu remets dans le film après le clip. Du coup, elle me dit, ouais, pour demain je vais faire mes ongles. Mais en fait, c'est une mytho. Non. Ils sont déjà faits, mais faut que je les fasse bien. Genre un petit peu long, orange flashy, parce que couleur clip. Attention. Regardez comment elles sont belles, attendez, on fait vos blagues et tout. Alissa, c'est tard. Mais attendez, j'étais obligée, regardez juste son piercing, comment il est trop frais, il n'y a pas en fait. Ah, mais c'est la vie meilleure, j'avais compris. Regardez juste. Je kiffe. Eh, moi, si je devais faire un tatouage, ça aurait été celui-là. Je kiffe. Et monte-toi. Un dragon. Mais il descend jusqu'à là. Ah ouais. Regardez juste son bonnet en fait. Y a pas à avoir des trucs comme ça, monsieur. Oh my god. Ah, monte tes ongles. Madame va se faire ses ongles là en flic. Tu vas faire le truc à la pointe là au bout. Ouais, je vais faire. Je kiffe. Madame m'emmène avec elle pour faire les ongles. Quoi, elle me dit qu'elle a une tête de méchante. Est-ce que vous trouvez qu'elle a une tête de méchante, franchement? Non, mais là je souris, c'est normal. Ah, t'as une bad bitch face. Ouais. Ouais, et moi c'est pareil. Quand on voit des fois, on dit mais c'est une bête, elle m'a fait. Non, c'est juste ma face. Genre, c'est toujours comme ça. Mais non, mais là tu peux bomber en fait. Là, on va faire quoi là? Essayage. Let's go. Je vais tomber dans les pommes. Je déteste les escaliers et la voiture. Et grâce à Dina, je fais les deux. Merci. Ma gueule. Je voulais même pas montrer alors qu'elle est avec moi depuis tout à l'heure. Comment je kiffe ce haut, il me faut exactement le même, il vient d'où? Bershka, attendez, je prends la référence. Et surtout, ce manteau là, genre j'en avais parlé en story. Pour ceux qui me suivent sur Snap, vous savez, je vous avais parlé en story. Mais ce manteau, je suis in love. Il n'y a pas à être fraîche comme ça en fait. Ça fait un peu en mode box, genre gant de box. Je suis fan. Ouais. J'ai reçu ma bouffe. Alors attendez, tout le monde me dit mais good.b, good.b, good.b. Et il n'y en a pas dans ma ville. Du coup bah là j'ai commandé, enfin j'ai pris un point B. On va voir si c'est bon. Alors c'est bon, genre c'est bon de ouf. Mais je sais pas si c'est bon de ouf parce que j'avais faim, ou si c'est bon de ouf parce que c'est point B. En mode bad bitch quoi. Regardez, on m'a dit que peut-être j'allais porter ça. Bon déjà faut que j'essaye. Et je kiffe de ouf. Genre combi, c'est grave mon dé. On vient d'essayer les tenues pour demain. Et genre on est grave à sortir. Dina, t'es jalouse en fait? Oui. En I win, you lose. Donc il y a dû changer. Mais regardez-moi ce bonbon, on dirait une brat. Et juste the waist is snatched. La meuf, demain je me lève à 5h du sbah, elle me force à la prendre en photo, mais bon, elle est fraîche, on la pardonne. Regardez comment le vert, ça va trop bien avec sa couleur de cheveux et ses sourcils. Choqué, you serve. Non mais regardez juste les bêtes de photos que je lui ai faites par contre. Attendez. Je vais mettre mon téléphone parce que ma caméra est en train de charger, mais on va dormir. Voilà, mais elle est trop fraîche, la meuf timide et tout. Mais voilà, donc regardez. Et moi j'aurais dû même carrément, j'ai des boutons. Il est 7h58, il n'y a pas à être prête comme 7h58. Vas-y, j'ai l'impression d'être où? Au lycée. C'est au lycée, t'es là, t'es très marre. Du coup, on dit go, on a pris un. Comment ça s'appelle? Attends, je monte ma tête, wesh. Bah oui, attends. Regardez comment il neige, c'est une dinguerie. Oh, vous êtes content quand même ou quoi? Vous avez l'air triste et tout là. C'est parce qu'on est avec toi dans la voiture là. On a 2 heures de sommeil dans le sang. Regardez comment c'est tout blanc. Le château, il est trop mimi. Regardez qui je retrouve. Avec toutes les tenues et tout. T'es déter ce matin? Ouais. Regardez Nala comment elle est en mode hibernation. Tu te maquilles bien. Je trouve. Je suis flattée. Regardez ma go. Ah, tu montes ta tête aujourd'hui là. Mais je suis fatiguée rien. Elle est toujours belle. Ma go, elle se maquille et tout. Attention la star. Montez-ongles. Attention. Madame la chorégraphe, regardez comment elle est fraîche, elle était maquillée et tout. T'as pas encore ton outfit? Non, en fait si, je suis habillée en dessous mais j'ai trop froid. Comment elle est belle hein. Du coup là bah, je me suis maquillée moi-même, mais j'ai un problème, genre le noir il a coulé, je sais pas comment ça se fait. Donc je vais essayer de faire une petite retouche. Ça va aller? Oui ça va aller. Hop.
Non mais attendez, la meuf, on la voit tous les jours avec un durag. Montre-nous tes finger waves, elles sont amazing. Moi je rêve de me couper les cheveux juste pour ça. Qu'est-ce qu'il veut lui tout le temps à ramener sa poire d'elle? Moi je vais dévoiler le vrai visage de Maya BF, pousse-toi. Alors Maya BF, ça fait depuis littéralement une heure qu'on est là. On doit répéter la chorégraphie. La go n'a pas bougé. Les stars. Derniers entraînements avant de se préparer. Jure, genre pour m'endormir, je répétais dans ma tête. D'ailleurs, on m'a dit ouais, t'as répété? J'ai dit ouais, dans ma tête. Et on me regarde de travers. Donc je répétais dans ma tête maintenant. Mais... c'est comme ça dans ma tête. Y'a même pas ça comme j'ai dans la cour. Regardez comment c'est une mytho. J'ai trop envie d'aller aux toilettes, mais apparemment les toilettes elles sont genre dans le jardin et tout. Mais non, y'a un pot de chambre. Y'a des jardins là. Mais quoi, pot de chambre? Je vais faire pied dans un pot de chambre. Non, mais y'a des toilettes ici. Elles sont en bas, mais tu peux, on peut plus descendre avec l'escalier. Pourquoi? Ah, y'a un autre escalier. Bah, elle a dit même jour. J'ai révisé dans ma tête, vous avez vu? Bah. Venez dans la cour, on fait ça. Bah, c'est dingue. Exactement. Là je vais me mettre en tenue, je vais me changer, comme ça je pourrais filmer un peu de contenu et tout ça. Donc là je suis dans la salle de maquillage et tout, en fait c'est une salle de bain de base. Et regardez juste la douche. Là je me suis changée et regardez, la meuf elle est trop inspirée d'une vraie resta quoi. En fait, mais elle a fait deux scènes. Dans minutes elle va faire coiffure, make-up. Les lunettes que j'ai peut-être mettre, elles sont pas trop fraîches avec les petites charmes et tout. Pardon madame. Wesh Gina, incroyable, juste les cheveux. À la Beyoncé, elle a pas le temps. T'as vu? J'ai plus de voix, je suis allergique de malade aux microparticules. Là on est dans un château, du coup il y a des acariens et tout. Et je suis en train de mourir. On est en train de s'entraîner en tenue. Kay elle a mis ses talons, mais moi j'ai pas encore mis mes talons. Du coup en vrai là je fais avec mes baskets, ça va. Mais avec les talons, n'a qu'à tester. Quand je suis en train de danser, je suis en train de me dire, on dirait pas grave les tenues avec les boucles d'oreilles, tout est dans les clips des années 2000. Si si, de fond. Ouais, mais je dirais grave ça. No matter what I do. T'es prête? Vas-y, tu nous montres. Du coup, je vais mettre les chaussures là pour danser. Alors que je sais pas danser, je dois faire des retouches maquillage. Mon maquillage il a coulé, je suis deg. On est au décor du dîner et genre regardez les plats, on dirait des vrais trucs, carrément t'as envie de le manger. Donc on a demandé si on pouvait manger, ils nous ont dit si on voulait pas tomber malade, valait mieux pas manger. Mais regardez, allez, ça donne la diarrhée. Maintenant tu vas te tendre. Wesh les danseuses, ça va ou quoi? Non mais elle toujours en mode bad bitch quoi. Ah non mais tu dis toujours bad bitch, est-ce que t'as filmé ta tenue? Bah au soleil, regarde. Au soleil, attends. Ouais. Oh, ah, contre jour. Avance. Ouais. Parfait. Enfin, il est quelle heure? Attendez. Il est 14h52, on va enfin manger. À chaque fois, elle filme en même temps que moi. Y'a pas. C'est quoi cette boisson? On dirait une boisson bled. Tu sais, genre les Mirinda et tout. On mange riz, poulet, champignons. Moi, je kiffe les champignons. Tout le monde aime bien champignons, riz. Yeah, c'est parti. Elle est créole. C'est grave les bails, je mettais quand j'étais au collège, genre en 6ème. Je mettais tout le temps et je pouvais pas sortir sans ça. Moi aussi. Il y a un cheval. Regardez, il y a un cheval. Non mais excusez-moi, Gina, princesse. Attends. Attends. Et. Il faisait carrément hyper froid, mais bon, ça va. Mais le plan était bien. Ah je sais pas, je l'ai pas vu, je vais même pas le voir. Ah ouais? Non, je suis traumatisée. Funaise. Le chauffage, le cheval, il faisait que bouger. Ah ouais? Ouais. Décor, genre les escaliers et tout. Je suis choquée, là on est vraiment... Vous savez pas, plus tard j'habiterai là, hein. Ça vous savez pas. Les filles s'apprêtent à faire la choré. Du stress? Non mais là, pas là. Mais quand j'ai devant le feu, des projecteurs et tout. Et là, tout le monde va te regarder dans le moniteur et tout. Je dois me changer parce que apparemment la tenue que j'ai elle est bien, mais pas pour la scène qu'on va faire parce que genre la bibliothèque ça va pas. Bref, du coup je stresse, vous savez pas, c'est mon rêve d'enfant là. Là vous me voyez, je suis la roi, je suis la meuf et tout. Genre c'est mon rêve depuis que je suis petite. Voilà la potentielle tenue, alors je la trouve vraiment vraiment jolie. Alors les chaussures je sais pas, mais vraiment je kiffe. Fais aussi à la caméra, faire des bouts. Du coup là on va filmer. On dirait une pièce de théâtre ma belle. Ouais c'est un château trop poussé. Salut! On a fini de clipper. Ouah, la lumière elle est trop belle! La lumière elle est belle. Genre, ça c'est une vraie ring light. Ça, ouais. Ça c'est une vraie ring light. Bref, du coup, on a fini le tournage du clip. Enfin, en tout cas, pour nous, je sais que Gina, la chanteuse, est encore en train de faire 2-3 prises. C'était trop bien. C'était génial. De toute façon, dès que je rentre, je vous raconte tout. Mon maquillage il a un peu coulé et tout. Ouah, est-ce que j'ai bien passé le bail?
Là je vais dire je viens de rentrer mais j'ai pas du tout de rentrer. En fait je suis rentrée à genre, 30 minutes. Et genre trop bizarre, il est minuit 10 et j'ai essayé de commander vers 23h. J'ai essayé de commander Uber Eats ou un truc comme ça parce que j'ai pas mangé. Et impossible de commander, donc c'est peut-être le couvre-feu ou un bail comme ça. Mais pourtant à Reims on peut commander même à minuit 1h du mat. Mais il y avait une application où genre tu pouvais commander des trucs en mode genre des petits gâteaux et tout, mais c'est grave cher. Du coup j'ai commandé des petits gâteaux et tout, grignotage quoi, parce qu'il y a rien. Je vais bientôt aller me coucher, me démaquiller, je voulais juste vous parler vite fait par rapport au clip. C'était grave cool, genre c'est une expérience que j'ai jamais fait, les décors ils sont ouf, je sais que le clip va être ouf. De toute façon au moment où vous verrez ce vlog, le clip sera déjà sorti. Du coup vous verrez, pas encore vu le clip, mais je sais que je vais peut-être pas apparaître beaucoup. Alors en fait de base je vais apparaître dans 3 scènes, sauf qu'ils ont supprimé une scène parce qu'il y avait un manque de temps ou un manque de pellicule. En fait je sais pas comment je vais apparaître dans le clip, est-ce qu'on me verra beaucoup, est-ce qu'on me verra pas beaucoup. Franchement je sais pas, parce que je sais qu'il y a des scènes qui vont être supprimées, des trucs qui vont être ajoutés. Je sais que Kay elle a fait l'intro, elle a fait des scènes de danse, et moi vu que bah, je danse moins bien tu vois, je sais pas si je serai dedans. Je sais qu'il y a des scènes où je fais de l'attitude, où je fais la bad bitch, où je suis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu vois, je sais qu'il y a des scènes où je suis comme ça et je suis dedans, et ça c'est cool. Et je pressais de voir. Sinon regardez, j'ai commandé ça, c'est des petites glaces, et genre il y a presque aucune calorie dedans, je sais pas comment ça se fait. Demain du coup c'est shooting avec Dina, on va faire un peu des vidéos, on va discuter avec elle et tout, et voilà. Wesh, la lumière est chelou. Hello mes amours, du coup j'ai pas filmé mais dès que j'ai fait le débrief je me suis endormie direct. Là il est 11h13, je me suis maquillée en balle, préparée en balle et c'est parti pour le shooting. On va faire un shooting avec Dina, on va faire un peu des vidéos, on va rigoler, on va faire plein de trucs. Et voilà, je vous prends le temps, là je suis un peu pressée parce que je suis en retard mais c'est parti. Voilà ma dégaine du jour, j'ai fait encore une queue de cheval et tout parce que j'ai pas pris de wig, j'ai pas pris mes produits pour les boucles, donc j'ai pu faire que cette coupe là. Là j'ai une petite North Face mais en dessous c'est un manche court, du coup je vais bien garder ma North Face. Et là c'est ma combinaison que j'ai jamais mis mais que je trouve trop mignonne avec la petite fente. C'est parti. J'en arrive à l'hôtel, il est midi, wesh, il est midi 7 et, non midi 8, wesh, il se fout de ma gueule. Et je crois que j'ai rendez-vous à midi 20 de base, donc je suis un petit peu en avance, du coup j'attends. Et je viens d'exploser mon nouveau téléphone par terre, heureusement il n'y a rien, mais j'ai paniqué. Regardez ce que je vois, genre depuis tout à l'heure je suis assise, j'avais pas remarqué, il y a des cœurs dans l'air. Je viens d'arriver à l'hôtel, on attend Dina, on attend Kay, on attend la maquilleuse et tout. On va faire, enfin Dina va faire des photos ici, nous on va faire des petites vidéos avec Dina, des petits TikTok. Et voilà, là du coup je suis avec Mylene the Plug, c'est elle qui a trouvé la chambre. Mais regardez juste la salle de bain par contre, elle est amazing. Eh madame, madame, montrez, montrez la dégaine. Attends, attends, refais. Eh Yad, hello boy. Hey boy, Dina la star. Je vais me commander, ça va ou quoi? Eh, ça peut trop faire un clip là. Ah ouais. Un truc qui tourne là-bas. La vie de mental, il est... Depuis tout à l'heure on regarde des clips, on fait que critiquer en mode nous on dette ça. Je viens de finir le montage du vlog et j'étais en train de me dire mais où est la fin de la vidéo. Et c'est vrai que j'ai carrément oublié de faire la fin de la vidéo parce que je suis rentrée chez moi, je me suis endormie direct, j'étais KO. C'est l'expérience de ouf pour moi, c'est la première fois de ma vie que je faisais un clip. Et moi vraiment quand je vous dis que depuis que je suis toute petite je voulais faire des clips, c'est vraiment genre tu me disais Maya tu veux faire quoi quand tu seras grande. J'avais 5-6 ans, je te disais ouais je veux être dans les clips, c'était trop mon rêve. Et j'en rappelle, j'avais des proches qui disaient mais t'es trop grosse pour être dans les clips, t'es pas assez belle, y'a plus jolie fille que toi. Et là d'avoir été invitée pour un clip, pour moi c'est un truc de fou. Et voilà, j'en garde une bonne j'en garde un bon souvenir et j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas voilà, j'aurais aimé vous prendre avec moi et je vous fais des gros bisous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur Insta, Snap, TikTok. Je préviens chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, on peut plus se voir, se parler. Abonne-toi à ma chaîne, surtout la petite cloche pour ne rien louper. Like la vidéo et dis-moi dans les commentaires. Dis-moi tout dans les commentaires. Quel était toi ton rêve quand t'étais petite? Quel est ton rêve? Hey, dis-moi tout ce que tu veux en commentaire. Raconte-moi même ta vie parce que je réponds comme d'hab au maximum aux commentaires. Et je te fais des gros bisous, je t'aime.